Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui une autre vidéo où je commence sans les gants parce qu'aujourd'hui on va pas conduire de voiture. Par contre, je vous emmène dans un endroit très très exclusif et je crois pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs français qui aient déjà été dans cet endroit et qui vous aient déjà montré l'intérieur de l'usine Aston Martin Works. On est aujourd'hui en Angleterre, on a été invité par Aston Martin pour une visite sur 2 jours des usines Aston Martin. Aujourd'hui, on se trouve à Newport Pagnell, donc c'est là où se trouve l'usine Aston Martin Works originale. On va passer ses portes juste après pour découvrir tous les modèles Aston Martin, la façon dont les voitures sont créées. On va pouvoir vous montrer des choses vraiment très très spéciales. Parce que là, rien que je vois dans le showroom, il y a une Aston Martin Zagato Speedster. Rien que ça, on est entouré d'Aston. Je suis hyper content de pouvoir vous amener ce contenu aujourd'hui et de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Activez la cloche des notifications. Suivez-moi sur Instagram pour suivre toutes les coulisses de nos petits voyages avec Pierre et de nos essais. Pierre, évidemment, qui est derrière la caméra. Suivez-le également sur Instagram, @pierrefilmcars. Direction l'intérieur d'Aston Martin Works pour découvrir tous les petits secrets de la marque. C'est parti. Newport Pagnell, petite ville de 15 000 habitants située à mi-chemin entre Oxford et Cambridge, est connue pour abriter depuis 1947 le siège historique de la marque Aston Martin. Créée en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford, la marque connaît une histoire mouvementée et enchaîne les rachats avant d'être sauvée de la faillite en 1947 par David Brown Limited, qui la fusionne avec Lagonda, marque qu'il possède déjà. Newport Pagnell devient alors le site de production de la marque et pendant 52 ans, 13 300 voitures sortiront de cette usine pour des clients du monde entier. Parmi les modèles les plus iconiques produits et designés dans cette usine, on compte la DB4, la DB5, la DB6, la Vantage, la Lagonda Williamstown et la Vanquish, première du nom. En 2007, après le rachat de la marque par Ford, l'usine de production déménage à Gaydon, que nous visiterons dans la deuxième vidéo de cette série, et le 19 juin 2007, la dernière Vanquish produite sortira de l'usine, la fin d'une ère pour Aston Martin. Derrière moi, il y a la partie workshop, donc la partie où les voitures sont entretenues tout simplement. Alors ici, c'est un endroit très très spécial, et alors on ne va pas pouvoir vous filmer à l'intérieur, mais là, il y a 2 177 à l'intérieur, il y a un nombre de voitures Zagato incroyables, des modèles que j'avais jamais vus, la valeur des voitures qu'il y a à l'intérieur est juste démentielle. On peut pas vous montrer les voitures à l'intérieur à cause du fait qu'elles appartiennent à des clients privés qui veulent pas forcément que leur voiture se retrouve partout sur internet. Vous voyez peut-être derrière, il y a une DB4 GT Zagato qui se balade tout simplement. Ici, c'est le centre d'entretien le plus actif du monde puisqu'il y a plus de 3000 voitures qui passent par ces portes pour se faire entretenir par an. Et il y a surtout des voitures qui viennent du monde entier parce que par exemple, je sais pas, un client sud-africain qui a une voiture, mettons une Vanquish, et qui veut faire aussi changer la couleur de l'intérieur ou changer la peinture, il va emmener sa voiture ici où c'est vraiment le cœur de la marque. Et la voiture va passer ensuite par les différents workshops. Donc il y a la carrosserie, il y a les cuirs, l'intérieur, la peinture, etc. Donc on va aller traverser ces locaux, on va vous mettre des images par-dessus et je vais tout vous faire en voix off pour vous expliquer un peu les différents endroits par lesquels on passe. Parce que c'est très compliqué de filmer à l'intérieur, donc on peut juste faire certaines images. C'est parti. Depuis la fermeture des lignes d'assemblage en 2007, le site de Newport Pagnell est devenu le lieu exclusif d'Aston Martin Works, la division de restauration de la marque, en plus d'être un centre de service et de vente. Mais la volonté de voir ressortir des modèles de cette usine historique était trop forte et en 2018 naît le projet de production de la DB4 GT Zagato Continuation, une réédition fidèle du modèle produit entre 1960 et 1963 qui sortira à seulement 19 exemplaires. Au passage, ce modèle célèbre aussi les 100 ans du carrossier italien Zagato. Elle est commercialisée à partir du 3 juillet 2019 au tarif impressionnant de 6,75 millions d'euros hors taxes, comprenant la livraison d'une Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation et d'une Aston Martin DBS GT Zagato, basée sur la récente Aston Martin DBS Superleggera, produite elle aussi à seulement 19 exemplaires. Alors pourquoi est-elle si chère, hormis pour sa rareté? Tout simplement car les techniques de production sont absolument identiques à celles utilisées dans les années 60 pour produire la DB4 GT Zagato originale. Absolument tout est fait à la main et chaque voiture demande 4500 heures de travail pour être produite de A à Z. Et pour information, si vous voulez comparer, une Golf, aujourd'hui, elle est produite en seulement 14 heures. Là, on est dans la partie plus peinture. Vous voyez juste derrière moi, on a une DB4 GT Zagato, la continuation, donc les 19 voitures qui sont produites actuellement dans ces usines d'Aston Martin Works. Vous voyez juste derrière, entre toutes ces lumières, on a un endroit où les
personnes qui travaillent ici vont inspecter la peinture pour voir que la peinture soit absolument parfaite. Et d'ailleurs, on peut voir que l'arrière de la voiture est déjà vernie, a déjà été polichée. Et l'avant de la voiture est encore mat parce qu'ils le font étape par étape pour vraiment que ça soit absolument parfait. On a un exemple ici avec le capot de la voiture. Et on peut voir effectivement que les reflets sont absolument parfaits. Et on peut voir vraiment toute la profondeur de la peinture. C'est vraiment des endroits dans lesquels on ne peut jamais accéder. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. On va passer après sur la partie où ils peignent complètement les voitures. Malheureusement, il y avait beaucoup d'endroits où nous ne pouvions rien filmer dans l'usine. C'était le cas notamment pour les ateliers de peinture et l'aire aussi de réparation des voitures. Mais à chaque fois, le soin du détail était à chaque fois fascinant à observer. Et voir les employés travailler avec des techniques anciennes était également fascinant. Une des dernières étapes de notre passage dans l'usine Aston Martin Works était l'atelier sellerie, où l'odeur très particulière du cuir se mêle au cliquetis des machines à coudre. Dans cet atelier sont confectionnés les intérieurs des DB4 GT Zagato Continuation, mais aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les intérieurs des voitures qui sont restaurés ou qui subissent un changement d'intérieur via le programme de personnalisation. Les cuirs proviennent d'élevages de vaches très spécifiques et chaque pièce est scrupuleusement inspectée pour convenir aux très hauts standards de qualité. Vous pouvez voir à l'image un employé qui travaille sur une planche de bord de DBS, et une fois de plus, absolument tout est fait à la main. Maintenant, on se trouve dans un endroit très spécial qui est appelé l'Olympia à cause de cette forme qui est en référence à un monument pas très loin d'ici. Et dans cette salle, on a énormément de modèles très très rares d'Aston Martin et surtout des voitures qui ont beaucoup d'histoire, des voitures qui ont vécu par exemple. Là, on a une ancienne Aston Martin Vantage de Rowan Atkinson, Mr. Bean, la Vantage rouge cabriolet derrière appartenant à David Beckham. Et c'est beaucoup de voitures en fait qui sont vraiment les plus beaux exemples de ce qu'Aston Martin a produit, sachant que toutes les voitures ici, à part les deux DB2 qu'il y a dans le fond, ont été produites dans cette usine. Et c'est des voitures qui font énormément de show, qui vont par exemple souvent à Goodwood. Il y a des voitures ici qui ont été au Mans, au Revival. C'est vraiment un endroit très très spécial. Du coup, il y a énormément de voitures très très rares. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu particulier, c'est cette voiture là. Parce que vous le voyez, la voiture qui est derrière moi, elle n'a pas un moteur conventionnel, c'est une voiture qui a été transformée en prototype électrique. Parce qu'en fait, évidemment, aujourd'hui le monde change. Dans peut-être quelques générations, on ne pourra plus conduire avec des voitures essence. Alors, oui, c'est triste, je sais. Donc on aura la possibilité de convertir des voitures anciennes, en tout cas c'est ce que Aston Martin pense proposer dans le futur, entièrement en électrique. Alors je vous laisse imaginer que quand vous arriverez à votre borne Tesla pour recharger votre Aston Martin, ça sera un petit peu plus cool quand même. Même si bon, il manquera le son, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Puis de voir cette grosse batterie dans le compartiment moteur, où d'habitude siège un gros moteur atmosphérique, c'est assez différent. Mais c'est un endroit vraiment très très particulier. J'espère que ce premier épisode de découverte de l'usine Aston Martin Works vous a plu et que vous avez appris des choses. La prochaine vidéo sera consacrée à la découverte de l'usine actuelle de production Aston Martin située à Gaydon, où rassurez-vous, nous avons eu beaucoup plus de possibilités pour filmer à l'intérieur de l'usine, comparé à cette vidéo où c'était vraiment très compliqué et on a fait le tour de l'usine en une heure. Si cette série vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne, et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao !